Incroyable, Pokémon Uranium, ça faisait si longtemps que je voulais rejouer à ce jeu. Regardez comme c'est beau, on dirait un authentique jeu. Choisis ton mode de jeu, tu peux directement faire le Nuzlocke, donc on y va. Et le mode défi augmente les niveaux des Pokémon du dresseur tout en conservant les mêmes. On met le mode défi, les mecs, on met le mode défi. On va en chier notre race, non ? Tu crois pas si bien dire. Oh, c'est Messignol ! Oh ! Non mais attendez, les mecs, quand même, je suis vraiment désolé. Faut quand même le dire, ce let's play est tellement mythique que on m'a fait une peluche. Je suis de retour et j'ai envie cette fois de pas faire un four. J'aime bien l'amour que me portent les viewers, alors mettez des cœurs. Regardez la puissance de Miguel Oiseau. Allez, Michel Oiseau niveau 5. Il est prêt à se battre. Il n'est pas prêt. Je suis prêt, je... Ouh. Oh, déjà mort. Est-ce que c'est une blague ce jeu ou... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça m'est jamais arrivé dans l'entièreté de ma vie! Si je perds Pokémon Uranium, je perds. C'est la fin du let's play, c'est la règle. Ok. Je crois que c'est fini. Ah! Fidong a perdu le let's play. Attendez, c'est pas fini. Écoutez, nous avons perdu, ça m'a foutu le seum, j'ai fait une vidéo, vous m'avez dit Fildrong, arrête de chialer connard, et c'est vrai que c'est un jeu Pokémon quoi. Tout a l'air en ordre, ce générateur que vous avez conçu est vraiment adapté pour sa tâche, Lucille. Excellent. Si tout le monde a fini de travailler, prenons une pause déjeuner. Kellyn a été profondément touché par la perte de sa femme. Sa personnalité changea, il était devenu froid et focalisé sur son travail. Non mais mon papa, c'est le pire quoi. Il part en mode je te laisse à ta tante. Fifou et son ami d'enfance. Théo, non, pas Théo. Le retour de Théo. Non, je veux pas Théo. Pour ceux qui savent pas, Théo c'est le pire rival de tous les temps. Mais putain, mais j'en ai rien à foutre de ta vie. Qu'as-tu dit à mon fils? Il a couru à l'étage en pleurant. Mais je lui ai dit que c'était un fils de p*** à ton fils. Je veux le starter plante, il est plantacier. Je suis de type acier. Patience et endurance sont tes plus grandes qualités. Ah ouais, et moi la patience. Joe la remontada. J'ai le talent anti-critique. Oh c'est bien d'être vieux, oh oui c'est bien d'être vieux. Oh c'est bien d'être vieux, je perds mes cheveux. Et je perds mes dents aussi. Allez pad. On joue aux dames, mais parfois on met du Claude François pour danser avec Huguette. Peut-être qu'un jour elle rentrera dans ma chambre, elle me sucera la quéquette. Bref, non mais par contre, les mecs, si vous voulez faire ce que je fais, le starter plante, la différence de puissance. Alors que normalement, le type plante est désavantagé, mais le type acier est tellement fort que... Oh là là. Ah là, voilà la reine. Tu es peut-être ici pour voir Maria. Tu dois être comme moi, je suis son plus grand fan, mais il n'est jamais dans son arène. Tu devrais la trouver chez elle. Je peux pas y aller moi-même parce que j'ai mes raisons. Toi, tu peux. Oh, il me donne la clé. Merci, je suis très... Non, mais c'est abusé, ça. Je vais vraiment stalker chez une meuf. Ah non, mais elle dort. Il y a quelqu'un. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Tu ne peux pas t'introduire chez des gens comme ça. T'es une copine de mes clés de maison, donne-moi ça. Quel enfer. Vous imaginez, vous introduisez chez une meuf. Eh, hey, je suis rentré chez toi, je vais me battre contre toi. Si on fait Vampigraine, on a gagné. Oui, c'est bon, j'ai gagné. Joe Remontada! Oui, on finit full life! Oh là là! C'est la revanche, les mecs! C'est lui qui m'a tué! C'est lui qui m'a tué! Ouh. Tu veux pas faire plus mal, fils? Oh le monstre! Mais les féro singes dans ce jeu! Mais qu'est-ce qu'ils ont? Oh, j'ai giga censure! Regardez les dégâts! Regardez les dégâts! Et regardez ma vie! Oh! En vrai, vous pensez que je devrais écrire un livre sexy? Si je faisais un livre sur mes amours et celles de Kayra, par exemple, est-ce que quelqu'un achèterait? Les plus jeunes, ne regardez pas ça. Ce qui va se passer, ça va être terrible. Ernest, tu es de retour. As-tu trouvé le viol... Le... Non, il y a Théo, non! Oh... Oh, je veux pas être avec lui. Hé, pourquoi je peux pas y aller dans la caverne? J'ai peur d'aucun Pokémon. Oh, oh... Non mais Théo, tu vas pas m'abandonner. Marmayella, le super Pokémon. Je les ai trouvés dans cet horrible lieu humain, je les ai libérés. Nous nous battrons pour notre liberté. Mais c'est un dresseur. Il dit qu'il veut pas utiliser les Pokémon, mais il a des Pokémon. Non, c'est pas pareil. Pourquoi ces Pokémon se battent-ils pour le compte des humains? Je ne suis pas n'importe quel humain. Je suis Fifou. Cela fait des années que j'emmène les Pokémon vers la mort. Ce sont tes amis? Ah non, ce sont pas mes amis. Ce sont mes esclaves.
Pardon, excusez-moi. L'accès à cette zone est interdit en zone de la construction. Ah oui, ça a jamais été construit, ça. Vous savez pourquoi ça a jamais été fait, cette zone? Nintendo, il est arrivé. C'est à peu près la reproduction fidèle de ce qui s'est passé. Michael Burr, te défie. Tranchère. 2 secondes. Ok, c'est bon. Michael Burr. Michael Burr, trop fort. Hein? Je vais te taper. J'essaye de le rendre stylé, mais il est pas stylé. Fifou 2. Papa, tu m'as tellement manqué. J'en perds mes mots. Ça fait tellement longtemps depuis la dernière fois que je t'ai vu. Depuis que je suis parti chercher des clopes ce soir-là. Et moi, j'avais besoin d'un père, d'une figure paternelle. Tu sais, c'est qui ma figure paternelle maintenant, papa? Un youtubeur Pokémon. Il s'appelle Fildrong. Il perd ses veuches. Il a entre 40 et 50 ans, et c'est pas un bon exemple pour moi, papa. L'autre jour, il a fait une tier list, il nous a montré des photos de bites de reptincelles. Cela te paraît de soudain, mais j'ai une faveur à te demander. Tu vois la balle, hein? Tu sais quoi? Là, en fait, il y a 10 ans, il y a eu une tuerie, en fait. Ah, waouh, c'est ouf. Tu peux y aller, s'il te plaît? Je voudrais que tu vérifies un truc pour moi. D'accord, papa. J'ai 12 ans, il m'envoie à l'endroit où ma mère est morte. Je vois pas où est le problème, hein. Fifou-Dieu, est-ce que tu vas à la centrale? Je veux venir aussi. Théo. Je suis très fier de toi, Théo. J'ai l'impression d'avoir fait le bon choix en te laissant voyager seul. Père de l'année. Un chouetton nucléaire. Le principe du type nucléaire, c'est que ils sont faibles à tous les types du jeu, mais ils sont super efficaces sur tous les types du jeu. En vrai, il est nucléaire vol, donc techniquement sur Insecte et Note, non? Oui, il est faible à tout, c'est éclaté en Nuzlocke. Il y a urgence, regarde par-delà l'océan. Oh, sa mère. Il y a eu une autre explosion à la centrale nucléaire. Ils sont partout, les Pokémon nucléaires. Il est faible à l'âme-feuille, car il est type nucléaire, donc je le one-shot. Les pouvoirs des arbres et des plantes. Il a flinch. S'il vous plaît, monsieur, pas d'attaque-feu. Je suis désolé, vraiment. Non. Moi, Oli peut peut-être le faire. Il va rater. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ils sont tous morts. Ah. Oh, il est confus. Tape-toi dans le cave, vous cliquez dessus. Oh, l'infiltration, ça me connaît les mecs, c'est parti. Fildrong, Splinter Cell. Chut. Mec. Oh, la gratuité, on va l'appeler. Attends, qu'est-ce qui est gratuit sur Terre? Quelle indignité. J'ai changé, mais pas tellement que ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je m'en fous, je fais séisme. La mort. Non, mais pas comme ça. Mais non. Putain, j'ai passé des heures à le monter. Tiens, chèvre en violon, pars dans les airs, fils de pute, va. Arrête de crier et d'insulter les mères. Je vais faire un stream ASMR maintenant. Aujourd'hui, nous allons affronter un adversaire. Regardez, il est mort. Je vous ai pas dit. Mais ça fait à peu près 10 minutes que je lâche des caisses toutes les 3 minutes. Je sais pas ce que j'ai mangé, mais c'est horrible. Ça pue de ouf dans mon bureau parce que j'ai fermé la porte. Plus jamais d'ASMR STP, insulte ma mère, je préfère. On a Ramor qui pue et ça c'est le principal. Et Ramor qui pue les mecs, c'est le survivant. Tu es le Ramor qui pue, il a ébullition. Oh non. Ramor qui pue. Quel miracle! Ah, ébullition! Stabé sous la reine d'un Pokémon évolué! Ramor qui pue, 20% de chance, peut-être! Alors peut-être! Il a fait éboulement, il a pas. J'ai pas le choix, hein, je suis obligé de faire retour. S'il rate! Ramor qui pue! Il n'est pas supposé être vivant, ce Pokémon. Ramor qui pue est en train de faire des masterclass dans ce putain de let's play. Il s'appelle Ramor qui pue, le truc. Allez, coup de jus. C'est le dernier coup de jus de Ramor qui pue, mais putain, c'est abusé, ce Pokémon. Mais pourquoi je suis en train de dire qu'il est abusé? C'est un Ramor. Esquive. Oui. Mais Ramor qui pue. Je sais que vous voulez y croire, mais c'est comme Bitantron, moi j'y croyais pas au début. Je vais détruire tous tes rêves et tous tes espoirs. On y a cru jusqu'au bout. C'est pas passé. Nymphoman. Bon, qu'est-ce qu'il y a une nymphoman? Non, j'ai pas eu le temps de changer, j'avais oublié. Oh non. Excusez-moi envers toutes les mamans. Oh là là. Crotte. T'as pas de Pokémon haut. Je pense qu'on doit prendre Maoli et lui apprendre surf, en fait. En mode le cadavre qui surfe.
Oh, c'est horrible. Je suis en train de surfer sur un mort. Tu fais des recherches pour un professeur quelconque. Dis-moi pour qui est-ce que tu travailles. Bambo. Ah, Ernest. Tu dois m'aider, ces gens sont méchants. Ils me mettent dans une balle inconfortable et me tripotent. Si tu veux, tu pars avec moi et je te... Peggy 18. Tu peux comprendre ce que dit Chouetton? Quel est cet instrument dans ta main? Il va prendre ma technologie. Il peut te donner un Pokémon rare et fort de notre labo. Oh oui, un Pokémon rare et fort. Pourquoi toi, t'es pas en plus? Oh, il est pas méchant. Je savais que tu serais sans défense si je t'attrapais par surprise. Oh la p... J'ai reçu genre 8 messages en mode tu vas perdre, tu arriveras jamais et tout, tu devras tout refaire depuis le début. Et moi je suis en mode merci les mecs de m'encourager. Comme c'est une bonne idée. Et c'est ironique. Mais qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire ça? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah ok. 3. 1. 2. 1. Mais c'est pas fini! Ah, mais je peux voir! Qui a eu l'idée de faire ça en vrai? Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Es bleiben im Raum keine. It's raping time! I want the fucking mission! Non, mais attendez, c'est pas fini! Attends, comment je Z? Hein? Attends, c'est... Mais non, mais. J'ai pas Z! On y était presque! C'est ma méga en plus qui est mort! Ma méga évolution qu'on n'aura jamais vue! Ah! Niveau 67! Quel encul! Courage! Oh là là, sa mère la pute! Tu viens de dire quoi sur ma maman? Fiston! Tu vas être papa. Eh oui! J'ai fait un bébé avec ta mère! Vous avez pénétré illégalement sur notre mère. C'est une vraie phrase! Oh, y'a un puzzle. Voilà. Par contre, dès qu'il y a du. Oh là, dès qu'il y a des animations, le jeu il est en PLS. Oh, le lag est infâme! Merde. Ok. Oh, le lag! Mon ordi est en train de mourir! Soit il temps d'investir dans une 3090 pour jouer à Pokémon. Mais c'est le jeu qui lag du cul là, c'est pas moi qui lag. C'est quoi mon game plan électrique vol? Servacier? Non. Ta mère. Ta mère, c'est la réponse à tout. Ok, ok, ta mère est là. Tu l'as trouvé où ta mère? En vrai, j'ai pas envie de changer de pseudo juste à cause de ça. Ok, dragon plante ça. Oh oh, il a machination, sa mère la pute. Et là, c'est le drame. Non ! Mais pourquoi il a fait dragon choc et pas une attaque plante ? Non, non, non ! Il est supposé faire une attaque plante ! Non ! Je prends trop ce let's play à cœur, il faut que je me calme. Cette île est infestée de Pokémon nucléaires. Je pense que ça va être le moment de Servacier, hein, cette zone. Je rappelle que Servacier résiste au type nucléaire. Si on s'unissait. Toi aussi t'as un Servacier, mec, j'avais oublié. Oh là là, du coup c'est mon pote. Vous voyez, ce pote, vous l'aimez pas, mais vous passez quand même beaucoup de temps avec lui parce que quelque part vous l'aimez bien. C'est un peu ça pour moi, Théo, tu vois. Ces Pokémon, ils ne fatiguent jamais. Moi je suis prêt à me battre si vous voulez, hein. Ok. Ah, vous êtes sérieux? Vous êtes rincé là, hein. C'est moi qui dois les tuer tout seul! Eh ben, franchement, ça va, tu gères. En tant que chef des Rangers de Tandor, je t'ordonne de t'arrêter! Mes couilles, frère, sont battues! Uraine Atomic Punch! Et Flash, me voilà! C'est le papa de Théo! Tu t'es fourvoyé, maintenant c'est trop tard! J'ai pris l'uranium de la centrale, tu ne le trouveras jamais! Sans combustible, tu n'as aucun pouvoir! Uraine, bon quantique! Faudrait carrément les suivre à Bagune, je suis sûr que les Rangers peuvent nous en dire plus à propos de Curie. Vous pouvez tous les deux utiliser vol! Bah non, connard! On peut toujours pas! Parce que tu nous as jamais donné! Ne dis pas que j'ai oublié de vous donner la 16 vol. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, le papa était un agent infiltré. Et en fait, le mec en vert était le méchant. Oh mon dieu, on l'avait pas vu venir, dis donc. Pokémon Uranium, c'est vraiment super. Ah, c'est long, sa mère la pute. J'irai... Je vous promets que dans Tales of Dawn, il n'y aura pas des cinématiques de 40 minutes. Pourquoi il n'y a pas de sprite? Attendez, on va mettre un sprite. Je vais mettre mon chat qui danse à la place. Votre mission, infiltrer la centrale nucléaire et trouver où se cache Curie. Ah, c'est vrai que c'est tellement bon, il faut qu'on le trouve. Hein. C'est moi, Mickey. Oh, je sais pas faire la voix de Mickey. Je vais en attraper un maintenant et tu vas en attraper un aussi. Ah, il a fait protection. Attends, il a fait protection, donc du coup, on est d'accord qu'il tank. Mais quel débile, c'était une zone. T'as vraiment réussi à le... Mais non, mais... Le voilà, le Pokémon que tout le monde voulait que je prenne. Et voilà exactement le problème de ce Pokémon. Voilà, il y avait des gens qui me disaient « Oh, t'es trop fort, mon rally !» Et ben voilà, quand tu te fais dépasser, t'es mort. Localisation estimée, secteur nord. C'est toujours dans le nord qu'il y a des trucs zarbi, genre le tuning, les frères et sœurs qui couchent ensemble et tout, c'est terrible. Hein. Niveau intense de radiation détectée. Estimation de la durée de protection, 5 minutes. Oh putain, j'ai un vrai timer. Ok, super, c'est...
Y'avait rien ici! Putain, mais à chaque fois que je prends une direction, c'est la mauvaise! Quel enfer du cul! Vite! Par là, ça glinglin, ça ressemble à un piège. Y'avait un pont. Mais je l'ai pas vu, le pont! Je suis en train de paniquer parce que j'ai un timing. Mais non! Je perds toute ma team parce que c'est un combat double et que je peux pas combattre avec un seul Pokémon. Mais mon, j'en ai marre de ce let's play! C'était ça le pont que je voyais pas, aveugle Drong. Qu'est-ce que ça fait d'arriver si près du but et de voir tes rêves se briller? Mais là, je sais même pas mes rêves qui sont brisés! C'est mon cul! J'ai ça dans le cul, j'ai la Switch aussi dans le cul. Mais c'est pas tout! J'ai aussi une jambe de cette taille-là dans le cul! Elle a fait un mois de vélo et c'est pas fini! L'intégrale! Des bandes dessinées sillage, regardez, c'est quand même gros dans un cul. Est-ce que ça fait mal? Bien sûr que ça fait mal. Nous voulons que tu souffres. Mais oui, je souffre. Transforme-moi. Mais c'est méga cochebook. Il a fait gonfler. Allez, Ambrose. Si c'est son seul Pokémon, il y a peut-être moyen avec Métafouet, là. Ok, donc là, il va prendre beaucoup de dégâts. Ambrose, le dernier rempart. Allez, allez. Putain, évidemment que c'est un... Évidemment qu'il a Vampipon en plus de tout, quoi. Tu vois, c'est genre... Allez, est-ce que ça le tue? Victoire. Où est Curry? Dans ton cul. C'est quoi ça déjà? Oh shit. Je suis au tournoi. Tous mes Pokémon sont prêts, tous mes Pokémon sont soignés. Attends, Fifo 2. Tu ne pensais tout de même pas que j'allais manquer ton défi de ligue? Bon, bah les couilles. Bienvenue au premier tour de ce tournoi de la Ligue Pokémon. Nous avons ici quelques-uns des meilleurs et des plus brillants dresseurs de Tandor réunis pour vous éblouir avec leur talent. Aïe aïe aïe. Les règles du combat seront les suivantes. Aucun autre objet que soutenu par les Pokémon. Ok, 85. Hé, hey, t'es trop haut niveau. Mon cul, je suis trop haut niveau. Je pense que je fais Vampy Point pour me récupérer des PV. Et ensuite je fais Canon Graine pour le finir. Voilà, comme ça on récupère. Voilà, on est full life, regardez, c'est mieux comme ça. Fildrong réfléchit à tout ce qui se passe. Let's go. Direct, on le tue. Rayon gemme. Yes. Je crois qu'il est fait glace du coup lui. Donc rayon gemme encore. Ma vie. Monsieur suicide. Psycho. Il est fait combat, let's go. Jamais autant aimé ma vie. Je suis là pour vous faire aimer votre vie les mecs. On le two shot. Coup critique, let's go. Oh, il a fait Danseraco. Ok. Oh putain, le coup critique qui est clutch là. Danseraco hydrocanon. N'a rien vu. Ah, oh, c'était cascade. C'est Léviator Tonnerre. Ah, c'était un peu ça hein. S'il fait tout. J'ai pas le choix. Putain, s'il te plaît. Je suis full PV. Oh, Fiston! Le Totorien qui clutch! Félicitations pour être arrivé en finale. Waouh! Je suis contre Théo! Toi et moi combattant pour le titre de champion. Quelque part que j'ai l'impression que c'est le destin. Ah ah, je dois admettre que c'était assez ringard. Attention, j'arrive! Quelque chose a l'air d'émaner de lui. Ce serait quand même pas un Pokémon nucléaire. Oh non! Encore! Mais on en a marre des Pokémon nucléaires, ils cassent les couilles! Et prends ça, des Nuclear Balls. Mais c'est mes bones qui sont nucléaires à force d'en voir! Je m'en fous de le capturer, ce Pokémon! Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de ce acton là? Il est acier nucléaire. Et il met des murs de fer. Let's go, Nuclear Ball! Non, pour cette raison, ce Pokémon ne peut pas être attrapé. Pourquoi ce connard de Théo me trotte jusqu'à la fin du jeu? Oh, il avait fait d'enfer! Ouh! Ok, il est mort. Pauvre idiot pathétique! Vous pensez nous avoir battus? Mais votre erreur nous a fait gagner plus de temps. Urain va devenir un ange de la destruction. Tes amis et ta famille sont trop abandonnés, t'en rends-tu compte? Tu n'es rien pour eux, juste un outil. Salut les copains. Il est niveau 100. Let's go, ma vie. Il a fait surchauffe ce Demios. Ma vie, psycho. Ma vie. J'ai battu le mode hardcore d'Uranium. Potion, sans objet. Mais c'est ma maman. Révélation de ouf godin. Incroyable, elle est réellement vivante. Elle n'a vraiment pas changé depuis le jour où elle a disparu lors de la fusion de la centrale nucléaire il y a 10 ans. Ta mère c'était Curie. Bah faut croire. Pourquoi serait-elle devenue cinglée et souhaitait massacrer tout le monde? Je sais pas Théo. Peut-être parce qu'elle a été enfermée pendant 10 ans dans une centrale nucléaire sans pouvoir sortir avec des radiations. Ouais, c'est pas faux. Champion de la ligue, félicitations. 126 heures à jouer à ce putain de jeu. Avec l'XP que j'ai fait, j'ai passé des semaines à level up des teams. Quel enfer. Merci à tous d'avoir suivi ce let's play. C'était incroyable. Qu'est-ce qu'on en a chié. Ma fille de 5 mois te regarde, car j'essaie désespérément de l'endormir. Oh, quel enfer. Eh ben, il va pas réussir à s'endormir avec moi.